Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment activer la dictée vocale et comment se servir de son Mac avec la voix, c'est-à-dire utiliser la dictée vocale partout où une zone d'édition est présente. Ceci peut être très intéressant pour les personnes ayant des difficultés à taper sur leur clavier, pour les personnes déficientes visuelles puisqu'on aura un retour avec VoiceOver et pour toutes les personnes avec éventuellement d'autres handicaps ou voulant dicter tout simplement leur texte. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo comme d'habitude. C'est parti pour la vidéo. Alors, dans un premier temps, on va se diriger dans Préférences Système. Pour cela, deux solutions. Soit vous passez par la barre de menu tout en haut et le menu Pomme. Barre des menus, Appeuil. Donc, la barre de menu, on descend. Appeuil. À propos de ce Mac, vous préférence système point de suspension. Soit vous passez donc par ce menu. Préférence système. Instantanément, vous arrivez sur Préférence système, où vous avez un autre choix. Vous passez par le dock avec la touche CTRL option D. Dock. Vous tapez Préférence système. PR pour Préférence système et vous validez. Finder. Et ici, instantanément, vous arrivez dans la fenêtre Préférences système. On va donc circuler avec les touches pour les personnes qui utilisent le VoiceOver. CTRL, Option, flèche droite. Préférences système. Christophe Taquet. Partage familial. Fenêtre de préférence. Fenêtre de préférence. Et on va arriver sur fenêtre de préférence. Ici, on va ce que l'on appelle interagir pour intégrer cette fenêtre. Pour interagir avec une fenêtre, on va donc appuyer sur les touches, CTRL, OPTION, MAJ et flèche bas. Entrée fenêtre de préférence, 30 éléments, général. Voilà, donc le VoiceOver vous donne le descriptif de ce qui se passe dans cette fenêtre. Et ici, on va donc se rendre sur clavier. Donc on va taper tout de suite soit la lettre C ou CL. Clavier. Vous êtes actuellement sur bouton, dans zone de défilement. Pour... Ici, pour valider clavier, on va donc appuyer sur CTRL, OPTION, espace. Fenêtre. Une fois que vous avez activé ceci, on va se diriger sur l'onglet dictée, puisque on est dans une fenêtre avec différents onglets. Texte. Raccourci. Méthode de saisie. Dictée. Vous êtes actuellement sur onglet 5 sur 5 pour sélectionner. Voilà, donc c'est le dernier onglet. Pour valider cet onglet, CTRL, OPTION, espace. Sélectionner. On descend dans cette fenêtre, c'est parti, avec CTRL, OPTION, flèche droite. Utilisez la dictée partout où il est possible de saisir du texte. Pour commencer la dictée, utilisez le raccourci ou sélectionnez Démarrer dictée dans le menu Édition. Voilà, donc ici, on peut créer un raccourci clavier spécifique pour lancer la dictée vocale. À l'origine, c'est la touche FN, mais vous pouvez la positionner sur la touche Commande, sur la touche Contrôle, c'est vous qui décidez. Dictée. Vous êtes actuellement sur Élément Texte. Activé. Donc, on continue à circuler dans cette fenêtre et on va activer le bouton Dictée. Activé. Si vous désirez activer ce bouton, on appuiera sur Contrôle, Option, Espace. Sélectionné. On continue à circuler avec les touches VO. Alors les touches CTRL option, on les appellera les touches VO pour VoiceOver. Donc on continue avec VO droite. Désactivé. Blues nodal. Ici, on vous demande quel micro vous désirez utiliser. Ici, j'ai choisi mon Blue Snowball puisque c'est mon micro actuel que j'utilise sur mon Mac. Vous pouvez choisir si on fait donc VO espace. Menu. Coche automatique. Microphone externe. Blues nodal. Coche automatique. Microphone externe. Blues nodal. Vous êtes actuellement sur... Je valide VO espace sur Blue Snowball. Blues nodal. Langue. Vous êtes actuellement... Ensuite, vous avez donc la langue à choisir. Tout simplement, on continue à naviguer avec VO droite. Et vous avez une zone de liste déroulante qui vous demande de choisir votre langue. Français, France. Langue. Vous êtes actuellement sur bouton... Si vous n'êtes pas sur Français, France, VO espace, vous déroulez... Vous choisissez Français France, il va télécharger le moteur de reconnaissance vocale Français France et c'est parti. On continue. Raccourci. Appuyez deux fois sur la touche CTRL. Raccourci.
Ici, on est dans une zone de liste déroulante. Si je fais VO espace. Menu coche, appuyez deux fois sur la touche contrôle. Maintenant, je fais simplement flèche bas. Appuyez deux fois sur la touche FN, fonction. Appuyez deux fois sur commande de droite. Appuyez deux fois sur commande de gauche. Appuyez deux fois sur l'une des touches commande. Personnaliser point de suspension. On peut, si on le désire, même personnaliser une des touches de votre clavier. Désactiver. Donc moi, par défaut, j'ai choisi la touche contrôle. Coche, appuyez deux fois sur la touche contrôle. Je vous êtes actuellement sur commande. Maintenant, on a terminé notre réglage. On peut fermer cette fenêtre avec les touches commande W. Finder O, mot-clé Google. Action disponible. On va donc ouvrir un traitement de texte. Alors, tout ceci fonctionnera avec n'importe quel traitement de texte. Text Edit, Word, sous Safari, Mail, etc. Du moment où vous vous situez dans une zone d'édition, aucun problème, vous serez capable de dicter à l'intérieur de cette zone d'édition. On va ouvrir Text Edit. Donc, j'ouvre Spotlight, Spotlight Finder. Donc, je vais ouvrir Spotlight et je vais marquer Text Edit. Pour ouvrir Spotlight, on va appuyer sur commande espace. Spotlight, Spotlight Recherche Spot. Alors, tout le monde connaît Spotlight. Spotlight est sur macOS et sous iOS. Avec Spotlight, vous pouvez retrouver le moindre petit fichier qui se cache dans le moindre petit espace de votre disque dur. Du moment où vous marquez le nom ou l'extension que vous recherchez, il va vous retrouver l'intégralité de ce que vous avez dans votre Mac ou dans votre iPhone. Donc ici, je vais marquer Edit, E-D-I-T, Edit, et je valide, Entrée. Fenêtre, Text Edit, Ouvrir. J'ai une fenêtre Text Edit qui s'ouvre. Je vais donc maintenant lui demander de créer un nouveau dossier. Sous Windows, vous faites CTRL N. Sous Mac, on fera Command N. Nouveau, sans titre 5, fenêtre. Une fois que vous avez ouvert votre traitement de texte, votre mail, etc. Maintenant, pour commencer à dicter. Alors ceci peut être impeccable pour les profs, pour les étudiants, pour tous ceux qui veulent faire de la saisie via la dictée vocale. Alors, vous n'avez plus qu'à tapoter deux fois la touche que vous avez dédiée. Ici, moi, c'était CTRL. Vous allez entendre échec de la dictée. Une petite clochette qui vous dit que vous avez lancé la reconnaissance. Une petite clochette vous annonce que vous avez lancé la dictée vocale. Et lorsque vous voulez arrêter la dictée vocale, vous allez appuyer sur la touche CTRL une seule fois. Attention, à un certain moment, la dictée vocale va se stopper toute seule. C'est parti. En plus, avec cette dictée vocale sur Mac, bien sûr iMac, MacBook Air, MacBook Pro, etc., c'est accessible. Vous pouvez faire de la mise en page en dictant les signes de ponctuation. C'est parti. Bonjour, virgule, à la ligne, à la ligne. Je suis très satisfait de la toute nouvelle mise à jour de mon Mac, point à la ligne. Pouvez-vous dès demain me contacter au 01 01 01 01 01, virgule, pour que je puisse vous dire les problèmes que je rencontre aujourd'hui au niveau de l'accessibilité, point à la ligne. Pouvez-vous me dire si vous êtes disponible demain, point d'interrogation, à la ligne, car j'aimerais vraiment pouvoir discuter avec vous, point à la ligne. Vous savez, je suis très heureux de pouvoir utiliser un ordinateur comme tout le monde, virgule. Je suis handicapé visuel et j'aimerais vraiment pouvoir faire encore plus de choses avec mon Mac, point à la ligne. Donc, surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, point à la ligne. Bonjour. Bonjour, je suis très satisfait de la toute nouvelle mise à jour de mon Mac. Pouvez-vous dès demain me contacter au 01 01 01 01 01 pour que je puisse vous dire les problèmes que je rencontre aujourd'hui au niveau de l'accessibilité. Pouvez-vous me dire si vous êtes disponible demain? Car j'aimerais vraiment pouvoir discuter avec vous. Vous savez, je suis très heureux de pouvoir utiliser un ordinateur comme tout le monde, je suis handicapé visuel et j'aimerais vraiment pouvoir faire encore plus de choses avec mon Mac. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Voilà donc, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si vous utilisez vous-même la dictée vocale sous Windows ou sous Mac, ou à partir de n'importe quel système Android ou iOS.
Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.